Hey, salut tout le monde, c'est Spectroleux, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, car moi ça va vraiment très très bien, en plus je suis en vacances les amis, alors ça fait plaisir. Ça fait plaisir les amis, et donc là on se retrouve pour l'épisode numéro 5, et je pense que vous voyez un petit peu plus de qualité au niveau de cette vidéo à partir de l'épisode 5, donc cet épisode notamment. Je remercie énormément un ami Fabien qui m'a expliqué un petit peu le fonctionnement de ce HDPVR qui est vraiment fantastique, hein, personnellement, qui donne une très très bonne qualité, bah, comme vous avez pu voir ces images. Franchement, c'est vraiment très très bien, et donc je suis vraiment très très content. Donc c'est parti, bah, merci encore à toi Fabien, en tout cas, bah, même si je t'ai remercié via Skype, mais voilà, je voulais te faire une petite dédicace. Voilà. Donc on se retrouve pour l'épisode numéro 5, les amis. Donc on va se faire une nouvelle coupe, hein, tout simplement, un petit Grand Prix. Alors j'ai fait hors champ la coupe spéciale, parce qu'étant donné à l'épisode 4 j'avais eu 2 étoiles parce que j'avais fait de la merde, et étant donné que bah, voilà, j'avais envie de faire un petit truc sympa. Donc on est toujours en 50cc. J'ai pas débloqué de nouveaux personnages pour le moment, donc ça va, je vous spoil pas énormément. Heureusement. Là, je regarde un petit peu si ça record, je pense que ça record. Ouais, ça record, c'est nickel. Donc aujourd'hui je vais prendre un petit peu Koopa. Pourquoi Koopa? Parce que je l'aime bien, voilà. Et on a débloqué un nouveau parapente, on va dire ça comme ça, qui est le parapente L-Nuage. Donc, bah écoutez, c'est nickel. Alors j'ai débloqué quelques cartes, notamment parce que je vais énormément online avec les abonnés, donc avec Kieran, avec Lucario Powa, avec Roller18, et aussi un youtubeur aussi également, mais aussi avec pas mal d'autres personnes aussi également. C'était vraiment énorme, on a jusqu'à 4h du matin, un truc comme ça. Donc c'était vraiment un truc de ouf. Alors je vous conseille le match célèbre, parce que c'est l'un des cartes qui est vraiment vraiment adapté sur la vitesse. Donc je vous conseille ce carte là, et je vous conseille aussi les roulisses, parce qu'en online ça rock du poney. Donc voilà. Donc au niveau des parapentes, je vais prendre ça parce que bah, on l'avait pas, donc on va changer un petit peu. Voilà. Et on va faire la coupe carapace, parce que je vous rappelle que dans les 4 épisodes que j'ai tourné, eh bien on a fait les quatre nouvelles coupes, donc les 4 nouveaux circuits pour chaque coupe. Et là on va faire les quatre coupes restantes qui ont été remakées. Donc on voit un petit peu la pré-remameuse, qui est Mario, Plastic Chip et l'autoroute Toad. Allez, c'est parti pour la coupe carapace les amis. Alors j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont donné des défis, parce que je vous ai dit dans les épisodes de Mario Kart 8, je vous avais expliqué que j'aimerais réaliser des défis que vous les abonnés vous me proposez, et j'ai vu que pas mal de personnes étaient partants pour me donner des défis. Donc j'ai des défis assez loufoques dans l'ensemble, et ça c'est vraiment épique. J'ai me bandé les yeux pendant 4 courses, j'ai joué au gamepad avec une seule main. C'est vraiment des défis que j'apprécie beaucoup, parce que bah, je vais les faire, étant donné que bah, on sera en 100 et 150cc, où je commencerai à réaliser les petits défis à partir du 100cc et 150cc aussi notamment. J'avais aussi à chaque objet que je me prends dans la tête, de manger un marshmallow et de pas le manger, en fait, de le laisser dans la bouche. des trucs vraiment des trucs de ouf. On a aussi des sadiques aussi, notamment notamment New aussi également. On a du Dark Cross Returns aussi également. On a pas mal de personnes qui veulent me donner des défis, donc c'est vraiment intéressant de d'interagir avec vous les abonnés, en vous proposant des défis tout à fait loufoques que vous me proposez. Donc comme je vous ai dit, on fera ça à partir du 100 et 150cc. Donc là, pour le moment, je ne joue pas en gyroscopie. Je vois que c'est très très simple de jouer avec le gamepad. Alors, beaucoup de personnes pensent que le Wiimote et le Numchuck, ils trouvent que c'est un meilleur gameplay. Donc, pour ma part, le gameplay du gamepad, je le trouve vraiment très 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 bien au niveau du gameplay. J'ai aucun souci pour préjouer, etc. Bon, après, la fonction gyroscopie, j'ai pas du tout l'habitude. Voilà, il n'y a pas trop de... Attendez, je suis en train de rattraper une personne. En fait, je suis en train de faire un tour d'avance sur Bowser, en fait, limite. On va essayer de le voir. Ah, t'as peut-être une étoile, j'essaie de te rattraper. Non, on voit aussi les objets qui ont plus vraiment de...
ils ont plus les mêmes valeurs qu'ils avaient avant. Avant, on voyait que c'était plus adapté sur les objets, sur Mario Kart 8. Il y avait Mario Kart 7 aussi notamment, et là maintenant on se retrouve avec 80% de skill maintenant sur ces courses, sur ce nouvel opus sur la Wii U, et on dirait à peu près 80% de skill, 70% de skill, et on va dire 20% de chance par rapport aux objets, etc. donc je pense que j'ai fait une course assez rapide parce que j'ai rattrapé Bowser, donc j'ai fait un tour d'avance limite, donc c'est plutôt pas mal. On a 15 points, on va faire la course suivante comme ça. Donc je vais regarder un petit peu les défis que vous m'avez proposés, donc je les ai pas tous écrits, mais sur Skype vous m'en avez donné aussi, un message privé aussi notamment, et je vais vous en lire quelques-uns. Il y a Lucas Opova qui est connecté sur Skype, j'aurai ma revanche sur toi et Kieran sur Mario Kart 8. Bah écoute, y a pas de souci, on se fera du online comme prévu. Alors, on avait testé un petit peu cette nuit le online sur Mario Kart 8 et on a eu quelques petits problèmes, donc je sais pas si ça venait de ma connexion ou le online est un petit peu ralenti avec toutes les personnes qu'il y a maintenant, parce que avant quand on faisait des parties sur le online, on n'avait pas beaucoup de personnes étant donné qu'on a eu le jeu en avance, et donc on a pu profiter du online pleinement sans avoir de lag, etc. Pour ma part, pour le moment, je trouve que Mario Kart 8 a un très très bon online. Un bon niveau dans l'ensemble, hein. On voit que sur Mario Kart 8 il y a des gens qui ont un petit peu du haut level, ouais. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de challenges dans le online, en tout cas je vois ça. Donc moi je vous conseille de faire un petit peu des contre-la-montre aussi, parce que de faire des contre-la-montre vous verrez aussi un petit peu des raccourcis qu'on peut avoir aussi. Vous pouvez aussi améliorer votre temps, défier des fantômes, etc. Et surtout défier des gens du monde entier avec les temps records de chaque personne dans le monde entier, donc c'est plutôt sympa. J'aime bien ce circuit, il est plutôt coloré, j'aime bien. On va essayer de passer comme ça. On va jouer à la gyroscopie, je pense que ça va être un petit peu mieux, parce que là j'ai vraiment beaucoup d'avance et on n'a pas beaucoup de challenge pour vraiment parler, donc je pense que d'ici la prochaine course je vais me faire en mode gyroscopique, et pourquoi pas tenter aussi pas le volant, parce que le volant c'est un peu comme la gyroscopie, mais on pourrait tenter aussi la Wiimote et le Nunchuck, parce que j'ai toujours pas testé le Wiimote et le Nunchuck, et je pense que c'est aussi intéressant de voir aussi d'autres notions de gameplay par rapport aux différents moyens qu'on adopte au niveau des manettes, etc. Donc à voir le Wiimote et le Nunchuck. Je vois que Gil aussi préfère aussi la Wiimote et le Nunchuck, donc voilà. J'avais pas vu les arbres, c'est bien fait. Tac tac tac. Donc si vous voulez m'ajouter, n'hésitez pas à me donner votre pseudo Nintendo Network. Comme ça on pourra faire des parties en online. Pour les parties online, je les commenterai en online. Si vous êtes là, si vous avez mon micro, je vous invite sur Skype et on se fera des petites parties commentées. Bien sûr, tournées sur cet HDP vert que. Franchement, je suis vraiment très très content parce que. Erreur que j'ai pogné au niveau de la qualité, parce que j'avais mis la qualité au plus bas en fait. Alors, quelques personnes, notamment T-Phoenix et Skydead, me disent lors de tes vidéos, on m'a dit qu'il y a des pertes de FPS. Alors, sur la majeure partie des abonnés qui regardent les vidéos sur Mario Kart 8, j'ai pas eu de soucis en commentaire pour me dire que j'avais des chutes d'FPS, donc je sais pas si ça vient de leur connexion ou je sais pas, au niveau regarder au niveau de Java, tout ça, de mettre à jour tout ça, parce que peut-être vous pouvez avoir quelques petits décalages, je pense, parce que je me rappelle quand j'avais une connexion de merde via un fournisseur internet que je citerai pas son nom parce que je pense que vous connaissez sans doute. Et j'avais une connexion de merde, et quand je lisais des vidéos, c'est vrai que j'avais des décalages, donc peut-être ça peut voir de leur connexion, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand je mets en 720p ou 1080p, je trouve que c'est fluide, donc voilà. Donc pour ceux qui ont des petits problèmes, je sais pas, mettez à jour vos logiciels pour garder des vidéos, etc. Parce que voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, la plupart des personnes me disent que j'ai pas de chute de FPS, et à savoir que j'utilise Vegas Pro. Je connais pas trop le logiciel, c'est vrai. Et surtout que je trouve que les rendus sont un petit peu longs.
Et surtout au niveau de l'upload, parce que quand tu te retrouves avec une vidéo de Mario Kart 8 à peu près du 6-7 gigas, pour l'upload, même si c'est en rendu, bah, je trouve que c'est un petit peu long. J'ai vu ça il y a 3 jours, l'HDPVR a fait une nouvelle mise à jour, donc l'HDPVR Rocket Edition a fait une nouvelle mise à jour, et franchement c'est plutôt pas mal, parce qu'en fait votre vidéo est en TTS à la base, et ensuite vous pouvez la convertir en MP4 via la nouvelle mise à jour, donc c'est plutôt pas mal, donc je mettrai ça sur le Camtasia Studio pour faire les montages, parce qu'en gros j'aurais juste concrètement j'aurais juste à mettre une seconde 4, une seconde 7 en moins par rapport à la cam, comme ça, parce que à savoir que sur les boîtiers d'acquisition, ça dépend de certains boîtiers d'acquisition qui ont une seconde ou deux secondes de décalage. Bon, j'ai entre une 4 et une 7, j'avais fait le test avec l'iPhone en chronomètre pour voir un petit peu combien j'avais de décalage. Ah mince, j'avais dit que je la ferais en gyroscopie cette course, en fait je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de le faire avec le gamepad sans gyroscopie, désolé. Ah, c'est pas mal les petits poissons, comment ça s'appelle, les chip-chip là, les petits crabes qui me fait penser un petit peu à ma carte de Double Dash, ou Double Dash, enfin, je sais pas comment on prononce ça, mais sur Double Dash j'aimais énormément. J'ai aussi fait des parties en online en grand prix avec l'intelligence artificielle, etc. Bien sûr avec des vraies personnes évidemment, et on avait fait avec des bombes, en fait on avait juste des pièces et les bombes, et c'était un combat explosif parce qu'on se lançait des bombes, c'était vraiment épique, voilà. Allez, j'ai dit que je la ferai au gyroscopie. Donc, on va le faire, donc je vais attendre un petit peu que ça se lance. Mais j'ai toujours mon petit stylet de temps en temps. Ouais, tac. Alors, coupe carapace, voilà. Donc donc ça va être une petite vidéo parce que vu l'allure des courses que j'enchaîne vraiment très rapidement, je vais mettre en gyroscopie. Donc voilà. Ça va être assez laborieux parce que bah, comme je vous dis, la gyroscopie, j'ai pas du tout l'habitude, mais j'ai vu des personnes dans online qui avaient le volant en or. Alors je sais pas comment ils font, etc. Mais à mon avis, c'est plus ils jouent longtemps avec le volant, plus à mon avis ils vont avoir un Mario Kart en or, mais je trouve que c'était vraiment stylé de voir ça. J'ai vu déjà des personnes qui ont plus de 4000 en online, mais c'est énorme. Je crois que c'était, c'était un français. Je crois que c'était Ludovic 710, un truc comme ça, ou 720, je sais plus. Mais je fais de la merde. Mais franchement, il avait eu 4373 points déjà. Je crois que le maximum qu'on peut avoir, je crois que c'est 9999, si je me trompe pas, donc je sais pas, donc si vous le savez, dites-le moi en commentaire. C'est un peu plus chaud de jouer. Après ça peut peut-être vous entraîner pour le code, pour la conduite, je sais pas, peut-être. Ça serait énorme, genre, ouais, j'ai jamais fait de conduite de ma vie et j'ai réussi. Hein. T'as réussi comment? Mario Kart 8. C'est tellement épique. Et c'est bien parce qu'avec le poisson, on peut faire bouger les cartes. C'est plutôt pas mal aussi, l'étoile notamment. Alors je me suis aperçu aussi que la Bean Ball, quand on avait l'étoile, et ben ça nous touchait, mais ça nous touchait pas, on perdait pas de vitesse, etc. Mais ça nous faisait un petit bond en avant, en fait. Donc en gros on perd pas de vitesse, on augmente pas du tout notre vitesse, mais c'est juste que je ne savais pas, donc mais je crois qu'on avait ça sur les différents opus, mais je ne le savais pas, je crois que c'est Kieran qui m'en avait parlé. Qui m'avait dit que ouais, la Bean Ball pouvait marcher sur l'étoile, mais ne faisait pas de réels problèmes. Voilà. Je me mets un petit peu vers la droite parce que. Alors je vois pas énormément de raccourcis, peut-être je fais pas attention, mais je crois que sur y a une map, je sais plus, c'est la map dans le ciel où il y a les orages, tout ça, je sais plus du tout le nom de la map. Mais je sais qu'il y a un raccourci, mais il est un peu chaud à prendre en main. Ce que j'ai vu, c'est que même avoir le champignon, des fois, bah, vous pouvez limite le rater, donc c'est un petit peu dommage. Donc faut prendre ça avec beaucoup de finesse. On a aussi le temple champ aussi, je pense qu'on a des raccourcis via pas mal de courses. Après avoir, pour ça je vous conseille de faire des contrôles à la montre ou de faire du online pour découvrir un petit peu ces raccourcis, ou même faire des coupes en solo.
Mais le mieux c'est de jouer en online, hein. Ça prend tout son sens dans ce Mario Kart 8 et bien sûr dans tous les Mario Kart, hein, à part quand il n'y avait pas du online tout simplement. Mais ouais, clairement le online il est très très bon, il n'y a aucun souci, après comme je vous ai dit de temps en temps, mais je vous dis de temps en temps on a des erreurs survenues, etc. Mais bon, c'est pas un truc de psychopathe, donc ça va. Et donc je pense qu'on va obtenir un nouveau personnage, parce que à la fin de chaque coupe, je crois qu'on obtient un personnage, et puis on reçoit aussi une coupe notamment. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a, est-ce qu'on a obtenu, parce que c'est bien, parce qu'un système des pièces, quand on joue beaucoup en ligne, on a la chance d'avoir des éléments de personnalisation, parce qu'on récupère pas mal de pièces. Et je crois entre 50 pièces ou 100 pièces, je crois qu'on peut obtenir à chaque fois un élément de personnalisation, donc c'est plutôt pas mal. Donc à voir combien il y en aura, j'ai hâte de voir aussi les quads aussi notamment, où on en a vu que un pour le moment. Ah, on a un nouveau pilote et on atteint déjà les 700 pièces les amis, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Non, on va pas publier le truc sur Miiverse parce que j'ai pas encore compris l'utilité pour le moment, donc peut-être faudra que je m'inscrive sur Miiverse, bon, bah, je sais pas, j'ai pas trop compris comment ça fonctionne leur truc. Voilà. Donc les amis, on va se laisser là, donc c'était une vidéo assez courte, mais vous inquiétez pas, vu que je suis en vacances, je pourrai tourner du Mario Kart 8 quand j'en aurai envie de tourner tout simplement, et surtout faire du online avec vous les abonnés. Au niveau des let's play, donc Pokémon Y, on est plutôt bien, je vais faire juste un contrôle à montre, comme ça je vous montre le nouveau personnage qu'on a obtenu, qui est Wendy. Bah écoutez, on va tester Wendy. Donc au niveau du let's play de Pokémon Y, il est bientôt terminé, là je le peux d'un instant. La ligue d'Y, ouais, l'épisode 36, donc faudrait que je tourne la capture des Zygarde, parce que je me mets en défi de... Oh, le quad Wiggler, ah, écoutez, on va tester ça. Ouais, comme je vous ai dit, donc il faudrait que je tourne... Qu'est-ce que je voulais dire, je me rappelle plus, je suis désolé. Je devais tourner en fait pas la Ligue Y, mais bien sûr Pokémon Y, donc il faudra que je tourne les quêtes Bella de Nice, bien sûr faire des combats avec vous les abonnés, et Zygarde aussi, notamment le capturer la Pokéball, parce que je me suis mis en défi de capturer tous les légendaires à la Pokéball, parce que voilà, j'aimerais avoir du challenge, et on a du challenge, parce que j'avais capturé Yveltal à la Pokéball, et j'ai capturé Mewtwo. Ah bah vous saurez bientôt. Oula, je trouve qu'il est... Oh là là, il est rapide. Il est rapide. Non, sérieusement, le... Ah ouais, le quad a l'air super rapide. Alors peut-être parce que je suis en gyroscopie. Je vais recommencer la course. Comme ça, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Mais franchement, j'ai trouvé qu'il a une très bonne vitesse. Le premier abord, là... Ouais, je suis content, là. Personnellement, il a l'air d'être assez sympa comme quad. Alors franchement, j'ai envie de voir comment il... Alors les dérapages, c'est un peu comme les cartes, si on regarde bien. Non, mais je trouve qu'il est rapide, sérieusement. Ouais, franchement, je pense que je vais prendre ce quad-là pour la prochaine coupe, parce que franchement, il m'a l'air sympa. Alors, peut-être qu'il n'est pas plus rapide qu'une machine air, mais je pense en accélération qu'en vitesse, il est beaucoup plus évolué, donc il faudra que je regarde sur les combinaisons de cartes, etc. Je sais qu'on peut avoir maintenant... Parce que Karan a débloqué, lui... comment ça s'appelle Ouais, non, clairement, je trouve que c'est beaucoup plus rapide. Peut-être c'est qu'une impression, mais je trouve que c'est un petit peu plus rapide. Ouais, Kieran a obtenu le carte en or, donc bravo à toi. Je sais pas comment je trouve qu'il faut, faire des courses en miroir. Parce que bah là, on fait du 50cc, donc du 50cc, c'est pas énormément énormément folichon, parce que au niveau du challenge, j'en a pas énormément. Du 50cc, c'est un peu pour les débutants, pour commencer. Mais pour commencer à se mettre dans le bain, et après, partir du 100cc et 150cc, on va commencer à réaliser des petits défis. Et c'est là que ça va être assez marrant, assez fandard, parce que on va s'éclater, et puis vous allez vous marrer, parce que imaginez que un petit RL me bande les yeux tout en me communiquant la course que je dois faire, par exemple, il doit me dire quoi. Droite, etc., utilise le boost, utilise le truc, etc. Ça va être un joyeux bordel, mais ça va être tellement marrant, tellement kiffant que franchement, j'essaierai de mettre ça en place bientôt. Bah, déjà, je pense que les courses vont être très très rapides au niveau des coupes. Non, mais franchement, je trouve qu'il est. Il rock du poney, hein. Il rock du poney, le quad de Wiggler là, ouais, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Ouais, et. On voit un petit peu une sensation de vitesse là que sur les cartes. Alors les motos, j'ai pas du tout au niveau des styles des dérapages, c'est pas du tout le même que sur les cartes et sur les quads. Franchement, je trouve que les motos, ouais. Alors déjà, ils sont moins cheatés que avant. Hein. Alors, ce que j'ai entendu dire, c'est que les cartes
ont plus de vitesse en ligne droite, et les quads aussi notamment, et sur les routes de glace, tout ça de désert, je crois qu'ils gagnent plus de vitesse, je crois que c'est ça, ou des virages, tu gagnes plus d'accélération, notamment aussi des bonus au niveau du bonus où on doit commencer la course, on a un mini boost aussi, à partir de une seconde on appuie sur le bon moment. J'ai trouvé que les motos avaient une meilleure vitesse au niveau des démarrages turbo, donc voilà. Donc je sais pas si c'est un bon score 2019, c'est totalement de la merde, mais bon, voilà, j'avais envie de tester ça. Non, je profite du tampon. Ouais. J'aime beaucoup. On va voir un petit peu les temps forts juste pour voir un petit peu si j'ai fait de la merde ou pas. Mais en tout cas, ouais, j'aime beaucoup attendez. Merde, je fais de la merde. Ah, c'est bien, je fais de la merde comme d'hab. Comment on fait pour voir comment on voit les moments? Ah, mais en fait, je fais un gros fait. Bref, vous avez compris. On a fini la coupe carapace et j'ai fait vraiment de la merde. En fait, j'ai cru que c'était le replay en fait, et je vais appuyer sur toutes les touches pour dire hey, comment on fait pour appuyer sur le tel truc. Ah, et ben voilà. Sur ces magnifiques paroles, on va se laisser là. C'était totalement du gros fail à la fin, mais au moins on a un nouveau élément de personnalisation du véhicule qui est disponible, donc vous le saurez dans le prochain épisode. C'est ça qui est marrant, c'est que on a des petites surprises à chaque fois, à chaque fin d'épisode, soit c'est un nouveau pilote que je vous dévoile dans le prochain épisode, ou bien un nouveau kart, ou un nouveau parapente, etc., ou de nouvelles roues, et c'est ça qui est vraiment pas mal. Donc les amis, on va se laisser. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, tu peux liker la vidéo si tu as aimé, tu peux aussi commenter, vous abonner si ce n'est déjà fait, bien sûr partager sur les réseaux sociaux, et bien sûr aussi le projet Pokémon Dark Disney où il avance aussi. Notamment, je suis pas du tout dessus pour le moment, donc excusez-moi, mais la Team Destiny, franchement, avance énormément. On voit beaucoup de nouveautés, mais je vais pas en citer, j'ai pas envie de spoiler, et surtout de pas dire ce que j'ai vu de mes propres yeux sur Pokémon Dark Disney, la version 2. Voilà. Donc les amis, on va se laisser là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et pensez aussi à me donner des défis à partir de 100 et 150 CC pour me donner des défis assez loufoques que je réaliserai ou pas. Alors, il y avait aussi un défi qui était un petit peu chelou, conduire avec mes pieds avec le gamepad. Un peu sadique quand même. Et je sais même pas si c'est possible. Et pourquoi avec les pieds? Bon bref, vous avez compris, donnez-moi des défis à réaliser, je les réaliserai. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'est réalisable, vous inquiétez pas. Mais il y avait aussi... C'était quoi? C'était un défi assez loufoque aussi. C'était... Pendant chaque tour, tu dois manger un piment. Alors déjà, le piment, je peux pas supporter. Alors si je dois en prendre à chaque tour... Non, c'est pas possible, c'est pas faisable. Mais quand même, essayez de demander des défis réalisables, si possible. Parce que... Attendez, excusez-moi. Mon écran d'ordinateur c'est un petit peu éteint malheureusement, donc voilà, donc merci encore, j'arrête pas de vous remercier, et vive les vacances pour moi, et bonne chance pour les examens, et bien sûr pour le travail, et si vous êtes en repos, geek et bien Mario Kart 8, et bien sûr aux autres jeux. Allez, salut tout le monde.